Le réseau Drépano SS, plateforme de la société civile congolaise en lutte contre la drépanocytose, a célébré le mercredi 19 juin la journée mondiale de la drépanocytose ou anémie SS au terrain municipal de Bandalungwa. Cette célébration, placée sous le thème « Lutter contre la drépanocytose, c'est dépister tôt et faire la prévention », avait pour marraine l'honorable Henri Toamou, député national élu de la FUNA, et Glody Mouindo, Miss Prix de la Francophonie. La drépanocytose ou anémie SS est une maladie génétique et héréditaire du sang. Elle est caractérisée par la présence d'hémoglobine anormale SS dans le sang, responsable de la déformation des globules rouges en forme de la banane ou des faucilles, d'où l'appellation des SS. L'honorable Henri Toamou a tenu par sa présence à soutenir cette catégorie de personnes dites anémiques SS qui semblent être abandonnées à leur triste sort sans aucun soutien de la part des autorités publiques. Bon, en fait, ce message n'a pas été le gouvernement de Bissot, qui est le moyen de la Sungabana SS. Anémie SS, c'est maladie où c'est le quatrième fléau mondial. Après infection avec sida, tuberculose et paludisme, quatrième est l'anémie SS. Mais jusqu'à là, c'est une maladie orpheline. Le gouvernement de Bissot a s'occupé d'un côté. Si un moyen, à tout à l'heure, le Bissot anémique, l'anémie anémique va souffrir. Sauf qu'il va pouvoir aider. Des anémies qui vont avoir des fils qui sont pris en charge parce que les parents vont avoir des problèmes. En plus, l'anémie SS, c'est une maladie chronique. Nous devons vivre toute la vie. Alors, quand les parents vont avoir des bimis pour la banane et les kébés, ce que le gouvernement va faire, ça sera une bonne chose. Mais si les parents vont avoir des passes, tant que moi, nous avons des bélis, nous avons des fonctionnaires, soit les moines, ma qui les alité, foutent à 50 dollars. Salaire, bazar, vous foutez à 50 dollars. Contrairement au VIH-Sida, la tuberculose, le diabète et la malaria qui bénéficient d'un appui financier de la part du gouvernement, l'anémie SS est orpheline de tout appui, d'où les soutiens leur apportés par la Miss Francophonie Glody Mouindo. Que le 19 juin, et la journée internationale, où il y a bato OMS, Balobaki, poto célébré, to fêté, fête y a bana SS. Bana SS, awana, basoufara mingi, ndenge, tolobaki, les maladies orphelines. Jusque-là, bomoni, autorité moko karamuta représenté, honorable Henri Toamou, où y a sali marraine, y a soirée, on a organisé le 5 juin en hôtel Venus, l'honorable. Là, elle a donné à ces mamakas n'ayons pas soutenir action et amis. Mon content que moi, n'a pas le bac qui n'a pas moyen de n'a qu'un des pas maman, maman, t'as la n'a pas si accompagné d'aïe en dimi n'a pas la car appel n'a pas autorité pour moni auto sali tomé qui co sensibiliser batou n'a pas effort et à mouquet mouquet aux oies qui n'a pas maman à aider n'a pas n'a pas docteur ou n'a pas cellule ou n'a pas aidé n'a pas mouquet. Commise par effort au salut donc tous ont sensibilisé Karabatou pour aider Bissot tous ont de la bas soutien à Bino financier matériel de soutien moraux tout ça.
touché par la souffrance des personnes anémiques SS dont la prise en charge nécessite en moyenne entre 500 et 1000 dollars américains par an, ajoutez à cela la transfusion sanguine qui est devenue le pain quotidien des anémiques SS, l'honorable Arieto Amou n'a pas hésité de faire un don de sang sur place. Un geste qui marque son don de soi pour sauver des vies, comme il est déclaré dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. À la même occasion, l'honorable Arieto Amou a sensibilisé le jeune à se faire dépister avant le mariage, car l'ignorance serait à la base des naissances d'enfants anémiques SS. Elle a en outre encouragé les parents dont les enfants sont anémiques à tenir bon et à manifester beaucoup d'amour à l'égard de ces derniers. Pour soutenir Bangote. En tout cas, ça fait depuis des années, ça sera toujours si mal. Il y a un cas anémique. Malade moko, on a senti que Baza abandonné à Bango Moko, l'état solande la Bango Pensate, et puis Bazo Bunda Bango Moko pour se faire soigner. Alors que ça, malade moko, est quand même très complexe. Il y a un moment où ça sera toujours qui va la journée internationale et la drépanocytose, ça sera jamais dans ma manifestation où on a pour soutenir Bango, pour soutenir ma malade ou on a besoin de soutien ma casse. Sinon, qu'en République démocratique du Congo, un tiers de la population, soit plus de 20 millions de Congolais, est constitué de porteurs sains AS, dits drépanocytaires hétérozygotes. Tandis qu'à Kinshasa, on dénombre plus de 80 000 malades drépanocytaires homozygotes SS. Ainsi, le geste posé par l'honorable Arieto Amou en parrainant la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale de l'anémie et en donnant son sang pour sauver nos compatriotes anémiques SS est un exemple à suivre pour lutter contre cette maladie qui affecte plusieurs vies et appauvrisse plusieurs foyers congolais.